Alexandra, merci d'être avec nous et merci au public, bien évidemment, vous êtes bien. Nos experts sont en place et d'ailleurs au sommaire cet après-midi de Je t'aime, etc. Vivre ensemble 24 heures sur 24, est-ce que c'est bon pour le couple? Matin, midi et soir, 7 jours sur 7, 365 jours par an, Marie-Claire et Joël ne se quittent jamais. Mais comment font-ils pour entretenir cette relation fusionnelle? Eh bien, ils vont nous livrer leurs secrets, c'est la love story du jour. Vous avez toujours l'impression qu'au moindre petit symptôme, vous êtes atteint d'une maladie incurable? Vous êtes hypochondriaque et ce n'est pas simple pour les autres de vivre avec vous au quotidien. Alors ne vous inquiétez pas, nous irons au cœur du sujet de l'hypochondrie. Et l'hypochondriaque a la phobie donc de tomber malade, mais il existe un tas d'autres phobies plus farfelues les unes que les autres. Nous allons jouer avec Jeannanne pour les découvrir ensemble. C'est parti, générique. De les retrouver chaque jour comme vous d'ailleurs, le docteur Gérald Kierzek, et évidemment Caroline Diamant, le beau André Manoukian. Elle est avec nous, Aurore Vincenti, Jeannanne Boudili et Caroline Veil. Tout le monde va bien? Super. Oui, bien. Je vous ai entendu pendant le sommaire. Est-ce que vous seriez prêt à vivre 24 heures sur 24 avec votre conjoint ou conjointe? Caroline m'a demandé si j'avais une corde. Aurore dit non. C'est venu de tout au fond comme ça. C'est, oui, de c'est sorti. Et qui d'autre? Personne. Personne ne pourrait le faire. Non. André? Sauf si on est obligé, quoi. Moi, j'aime bien la fusion. Ouais. Mais pas trop longtemps, peut-être. Avec des personnes différentes, finalement. Bon, parce que eux, vous pas allez avec voir. La même, c'est surtout ça. C'est une histoire assez exceptionnelle. Encore une fois, comme chaque jour, d'ailleurs, dans Je t'aime, etc. Eux, ils passent leur vie ensemble. Ils existent l'un à travers l'autre, au point de ne former vraiment qu'une seule entité. Ces couples fusionnels qui fascinent certains, qui font peur à d'autres. Pour en parler, on accueille tout de suite Paola Purari, rédactrice en chef de Je t'aime, etc. Salut Paola, ça va? Bonjour à tous. Alors avec Rebecca Craven, vous avez rencontré un couple d'inséparables. Inséparables, Daphné. Alors je vais vous les présenter. Ils s'appellent Marie-Claire et Joël. Ils ont tous les deux 67 ans. Ils se sont rencontrés à l'âge de 21 ans dans un bal populaire dans la Creuse. C'est allé très vite entre eux. Hein. 6 mois après, le couple se mariait. Et cette année, ils fêtent leurs 46 ans de mariage. Alors Marie-Claire et Joël, ils ont tenu toute leur vie un bureau de tabac. Ils ont toute leur vie travaillé ensemble, 7 jours sur 7, hein, 12 heures par jour. Oui. Sans jamais se séparer. Alors, on est allé les rencontrer près de Montluçon. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Hein. Ils vivent comme dans une bulle. Ils vivent en fait l'un pour l'autre. Depuis leurs 20 ans, c'est chaque jour le même rituel. Merci, Lunette. Un café côte à côte. On est aussi avec nous, hein? Ah, oui. Une nouvelle journée. Ça, c'est bon. Jamais l'un sans l'autre. Tout le temps, on prend notre petit déjeuner avec Joël ensemble. Oh, on mange ensemble. Toujours ensemble, tout le temps. Tous les repas. Puis je vais renchérir parce que je m'occupe d'un club de football. Je suis dirigeant à Gouzon, juste à côté où je suis né, où j'ai joué 20 ans. Eh bien, je rentre du match, c'est 23h, 23h30, et Marie-Claire m'attend pour manger. C'est quand même beau l'amour, hein. S'il n'est pas là pour manger, j'attends. Je vais me trouver une occupation, je vais faire autre chose, mais je l'attendrai tout le temps pour manger. Je ne laisserai pas manger tout seul. Bon, dépêche-toi, on y va, Marie-Claire. Ça va, là, s'il te plaît? Impeccable. C'est bon? Non, c'est bien, impeccable. Il donne toujours son avis. Si jamais ma tenue ne plaît pas à Joël, oui, je vais me changer. Parce qu'il sera, il sera pas bien, quoi. Marie-Claire, c'est ma star, elle fait tout pour moi, elle est très attentionnée auprès de moi. C'est la femme idéale, voilà. C'est quelqu'un de très, très, très gentil, très gentil. Beaucoup de gens autour de moi me disent que j'ai de la chance, mais c'est vrai. Allez, on va bon, travailler. On se dépêche, on va travailler. Bonjour. Bonjour Christophe. Après avoir tenu 45 ans leur bureau de tabac, ouvert 7 jours sur 7 en faisant une croix sur les vacances, Marie-Claire et Joël ont un peu levé le pied et passent le relais à leur fils Christophe. Merci bien. Bonne soirée. Ils sont toujours ensemble et ils,
ils vivent tout le temps ensemble. Donc du matin au soir, ils sont toujours au même endroit. C'est problématique quand ils ne sont pas ensemble. Sur ce, ils ressemblent beaucoup à des couples de petits oiseaux qu'on appelle les inséparables, qui sont des petites perruches. Et ces oiseaux ont tendance à se laisser mourir si l'un des deux disparaît. Je suis admiratif parce qu'ils ont su vivre ensemble, créer ensemble. Et ils ont su mener leur barque depuis plus de 45 ans, tout le temps ensemble. Voilà, là, on va commencer notre deuxième vie. Voilà, celle où on est si heureux. On va aller dans notre coin de paradis, notre petit coin de paradis. Allez, Candy, hop. Voilà, allez, on s'en va. Salut. Au revoir. Ouais. Suspense. Moi, j'ai envie de voir ce que c'est que ce petit coin de paradis. On va y revenir dans quelques instants. Son fils les appelle les inséparables. Ça, c'est absolument adorable, je dois dire, comme les couples, en effet, qui les petits oiseaux qui ne se quittent jamais. En revanche, qu'elle fasse valider sa tenue par son mari, bon, on n'est pas obligé, hein, on fait ce qu'on veut. Mais bon, je crois que la réciproque, c'est pareil. Oui, alors c'est vrai que ça nous a étonnés. Hein, vraiment, Marie-Claire a besoin de l'assentiment de son mari. Mais l'inverse est vrai, réciproque est vraie. Joël, lui aussi, s'il a sorti de mauvaise couleur, eh ben, il va se changer si ça ne plaît pas à Marie-Claire. Donc c'est vraiment, ils existent dans le regard l'un de l'autre et ils ont besoin de savoir qu'ils se plaisent mutuellement. Bon, ça, ils ne s'habillent pas pareil. Mais ça, c'est souvent quand on va avoir un rendez-vous. Moi, quand j'ai un rendez-vous, je demande l'avis. Stéphanie, je dis comment ça va là? Elle me dit, t'as rendez-vous avec qui? Une fille ou un gars? Je dis, bah, une fille. Elle me fait, ça va très bien. Là, je pense qu'il y a un problème. Mais alors là, on l'a vu dans le sujet, ils ne se séparent vraiment jamais. Alors, Daphné, vraiment jamais, en fait, ça fait 46 ans que Marie-Claire et Joël n'ont pas dormi l'un sans l'autre. 46 ans qu'ils s'attendent pour partager chaque repas. Il y a vraiment, ils sont tout le temps ensemble, complètement fusionnels. Depuis 46 ans, c'est la même routine, en fait. Hein. Chaque matin, Joël vient réveiller Marie-Claire d'un petit baiser. Ça dure depuis des années comme ça. C'est vraiment la symbiose entre eux. Et leur secret, Daphné, vous l'avez dit, c'est ce petit coin de paradis qu'ils ont construit au fil du temps. C'est un endroit qu'on a pu découvrir où le couple est coupé du monde. Nous avons deux vies en une journée. C'est-à-dire que nous allons travailler à notre magasin et puis nous revenons nous ressourcer donc dans notre paradis chez nous, en Creuse. Notre paradis à nous, là-bas, oui, c'est notre petit moment d'intimité à tous les deux. On vit des choses tellement importantes qu'effectivement, ça n'a rien à voir avec ce que l'on vit au magasin. C'est un parc privé de 15 hectares où vagabondent plus de 400 animaux. Chaque année, une nouvelle espèce vient compléter leur arche de Noé. Et pour ce couple, c'est un refuge où ils viennent se ressourcer. Et voilà, là, voilà, vous allez découvrir ici notre paradis. C'est ici que l'on se ressource et tout le bonheur du monde se trouve là. On n'a pas pris de vacances depuis plus de 35 ans. Voilà. Hein, 35 ans, oui. C'est pas de sacrifice, là. Hein, pas du tout. Hein, ça peut vous surprendre, mais pour nous, c'est pas un sacrifice. Là, c'est tellement... On a nos vacances, là. C'est le bonheur parfait. Là, travaillant. Oui, la vie sociale est ici. Là, on reçoit tous nos amis. Ils savent qu'ils ne peuvent pas nous inviter parce que nos animaux passent avant tout. Et puis voilà, on les reçoit très bien ici. Ils sont heureux. Tout le monde s'invite. D'ailleurs, ils nous téléphonent. Ils disent on arrive, voilà. Et nous, on est contents de les recevoir. Hein. Et nous, on est très contents de les recevoir. Dans cet Éden, chacun a son domaine. Joël, ce sont les oiseaux qui l'aident à s'évader. Et Marie-Claire, ce sont les alpagas péruviens. Un voyage quotidien pour ce couple, une osmose avec la nature qui leur permet de mieux se retrouver. Allez-vous mener ? On va aller manger. Pour moi, c'est merveilleux tout ça, hein ? C'est extraordinaire. Ça n'a pas toujours été le cas parce qu'au début, comme j'étais une citadine, la campagne me faisait quand même un petit peu peur. Mais au jour d'aujourd'hui, je vous le remercie parce que je vis des moments extraordinaires et sans lui, je n'aurais pas connu tout ça. Quoi. Vous voyez, les cygnes, c'est comme Marie-Claire et moi, ils sont très fusionnels, ils vivent tout le temps ensemble. Et puis, bon, si on en perd un, en principe, l'autre ne résiste pas à la mort de son conjoint. Voilà.
m'angoisse le plus, c'est de vieillir et de dire qu'un jour, on va se retrouver l'un sans l'autre. Ça, c'est ma grande angoisse. Pourquoi ? On ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Mais où vous allez les chercher? Dans la Creuse, au bal populaire. Dans un bal populaire. Dans un bal populaire de la Creuse. Des belles histoires d'amour. Non, mais vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit ça, le coin de paradis. Non. C'est quand même fou. Non. Toute une vie pour créer ce petit parc comme ça, de 15 hectares, avec tous ces animaux. Alors qu'il y a un zoo à 15 bornes. Non. Mais justement, on peut le visiter ou pardon, je pose. Alors justement, si on est mes enfants. Alors si c'est un parc privé. C'est un parc. Voilà, c'est pas du tout un parc public. Il y a pas. C'est pour eux. Voilà, c'est pour eux. Donc le terrain. Ils invitent leur... Tout à fait, ils c'est invitent leurs amis, leurs enfants, etc. Mais c'est vraiment... Ils vivent pas sur le terrain, c'est les animaux qui vivent sur ce terrain. Tout à fait, ouais, ils y vont chaque après-midi. Moi, je veux bien être leur pote. C'est respirer. Bah, attends, mais ils nous ont refait l'Arche de Noé, en fait. Oui, c'est carrément biblique, leur amour. Quoi. Ils sont un peu isolés du monde, puisqu'ils ne prennent pas de vacances. Et ils ne peuvent pas partir du fait que les animaux sont là. Pas de vacances. Il y a un philosophe qui s'appelle Gilles Deleuze, et il dit que l'amour, c'est de la production. En fait, quand vous êtes en couple... C'est du boulot tous les jours. Mais là, bah, c'est clair et net que tout ça est organisé pour... Et en même temps, André, vous soulignez où est-ce que vous les avez trouvés. Mais c'est vrai que c'est très rare, un couple aussi fusionnel, avec 46 ans, 24 heures sur 24 ensemble, Caroline. Oui, c'est rare, mais on peut dire que c'est trouvé. Vous laissez moi. Ils Caroline, se sont quand elle démarre comme ça avec un petit rire. Non, mais ils se sont trouvés, c'est une vraie rencontre. Ils se sont en même temps rencontrés à un âge où ils étaient extrêmement jeunes tous les deux, puisque ça fait quand même 46 ans. Oui. Donc, à une époque où on est très malléable, où on finit de grandir ensemble, où on se fait l'un à l'autre, on se façonne. Et en plus, ils sont portés visiblement par des intérêts communs. Ils sont bluffants. Ils disent on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Ça nous a un peu ému, cette image, à la fin. Est-ce que c'est réellement possible de mourir d'amour, Caroline ? Ah oui, oui, c'est vraiment ça arrive et d'ailleurs on le voit quand il y a un couple très âgé et que l'un des deux part, l'autre lui survit rarement très longtemps. Ouais, c'est parce qu'il a perdu le goût de vivre, il est plus motivé et que surtout il ne peut plus partager ce qu'il a fait toute sa vie avec l'autre. C'est un nom en médecine, ça s'appelle le syndrome de Philoménon et Baucis, nom de la mythologie grecque avec ces deux vieillards qui avaient demandé aux dieux de mourir ensemble et donc ils ont été gardiens du temple ensemble, tous ces deux personnes, et c'est ce qu'on voit effectivement chez les personnes âgées qui meurent pour des raisons différentes. D'ailleurs, on n'arrive pas à comprendre médicalement comment ça peut se passer de mourir comme ça. On parle pas de suicide. On parle vraiment de mourir à quelques heures ou quelques jours d'intervalle. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup marqué, hein, parce que c'est une angoisse permanente chez Marie-Claire. Elle ne s'imagine pas pouvoir vivre un jour sans Joël. Et la preuve de cette inquiétude, c'est qu'ils prennent grand soin de leur santé, vraiment. Par exemple, il y a un médecin qui a conseillé à Marie-Claire d'arrêter de fumer. Eh bien, Joël l'a imité, il a arrêté avec elle. Il a bien fait. On a prescrit un régime sans sel à Joël. Marie-Claire a banni l'aliment de sa cuisine. Donc, ils font vraiment très attention, parce qu'ils ont vraiment peur de se perdre. Bon, et puis, chez eux, c'est donc, on a compris, essentiel d'être ensemble tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors que pour beaucoup d'autres couples, c'est synonyme d'échec. Ouais. De synonyme d'échec d'être 24 heures sur 24 d'être ensemble. Tout le temps ensemble, oui. Bah, ça dépend, malgré tout, ce couple fusionnel, passionnel, est-ce qu'il ne reste pas le modèle idéal auquel on aspirerait, mais qui est décalé dans la réalité. Moi, je me rappelle de Anouk Grimbert, à l'époque, qui était la compagne de Bertrand Blier, et qui disait, de toute façon, on est inséparables, et s'il avait été bouché, j'aurais été derrière la caisse. Donc, c'est quand même un modèle auquel les gens ont envie de souscrire. Dans la réalité, ça ne donne pas ça. Parce que l'amour fusion, généralement, ça veut dire que c'est le nous qui prédomine. Donc, il y a une éclipse de l'autonomie de chacun. En même temps, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'être autonomes, qui sont ravis d'être dépendants l'un de l'autre. Alors, comme tic et tac, quoi. Alors, c'est vrai qu'on dit qu'au départ, souvent, les couples comme ça, fusionnels, se sont construits sur une fragilité. C'est-à-dire qu'il y avait une carence affective dès le départ, une faille narcissique qui a fait qu'il y a eu rencontre parce que
la vraie sécurité affective, ils la trouvent au sein du couple parce qu'ils n'ont pas suffisamment de sécurité à l'intérieur d'eux-mêmes. Mmh. Alors, tant que cette illusion-là d'être aimé comme un enfant va être aimé, c'est-à-dire que tous les deux sont dans une demande d'amour excessive, finalement, par rapport à la norme, et comblé, on a l'impression que l'autre vous aime, comme si vous étiez un nourrisson, un enfant, voilà, ça se passe très bien. Le problème, c'est le jour où cette illusion tombe, on se rend compte que l'autre ne va pas combler tous les vides, et à ce moment-là, ça peut ne pas perdurer. Mais si rien ne bouge, tout va très bien. J'ai noté ce que vous disiez, Caroline, vous dites « le couple fusionnel, c'est un couple où le « nous » prédomine ». Et en fait, c'est un modèle mythique, même dans la fiction. Ils sont partout, ces couples-là. Et ça se traduit en français par des titres de films, par des titres de livres, où il y a toujours, ou presque toujours, ce même petit mot, qui est une conjonction de coordination, qui est la conjonction « et », « et ». Je vous donne le premier nom. Je suis sûre que vous me donnez le deuxième. Allons-y, okay. C'est parti. Alors allons-y, vous donnez un prénom et on donne la suite, c'est ça ? Roméo. Juliette. Roméo et Juliette. Grande pièce de théâtre du dramaturge anglais Shakespeare. C'était une histoire d'amour incroyable. Deuxième titre. Tristan et Iseult. Là aussi, mythe littéraire français du Moyen-Âge. Encore une grande histoire d'amour. Bonnie and Clyde. And Clyde. Très bien, nos deux malfrats unis dans les magouilles. Thelma et Louise. Louise, voilà. Vous voyez, vous avez réponse à tout. C'est bien que ça fonctionne. Un dernier plus difficile peut-être. Paul et Virginie. Bon, d'accord, c'était pas difficile pour vous. C'est un roman de Bernardin de Saint-Pierre du XVIIIe siècle. En fait, ce sont deux jeunes qui se connaissent depuis leur plus tendre enfance et ils sont amoureux toute leur vie. Bon. Caroline et André Manoukian. Ah oui, pareil. On est démasqués. Bon, cette passion, en tout cas, qu'ils ont en commun pour les animaux, qui nous a vachement touchés aussi, hein, sur leur terrain, comme ça. C'est une base solide pour la longévité d'un couple ? Ah, bien sûr, c'est évident que de partager des intérêts communs. D'abord, ça a un avantage, c'est qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Donc, du coup, on ne s'ennuie pas. Mmh. Alors, leur amour si fort et leur passion, encore une fois, partagée avec ces animaux, ça nous a donné des idées. On avait envie de faire un petit clin d'œil avec cette publicité. Regardez. I will always love you. I will always love you. Oh là là, c'était sûr. Bah bravo. Bah oui. Et vous trouvez ça tout partagé d'être tout le temps ensemble, on finit par se bouffer le nez. C'est tout. Non, moi je crois en leur histoire, je la trouve merveilleuse. Bon allez, j'ai besoin peut-être pour me soigner parce que là j'ai été un peu méchante d'une Manoukian thérapie. Une analyse en chanson. Alors c'est très compliqué quand on est un artiste et qu'on est en couple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un artiste, il est double. Il y a sa vie à la ville, dans son intimité, et puis il y a ce personnage qui est lui-même, ça n'a rien à voir, qu'il a créé, et donc déjà l'artiste, il est deux. Donc quand vous rajoutez le conjoint, ça veut dire que le conjoint, il en connaît deux. Il connaît l'homme qu'il aime, si c'est une femme, et qui est dans l'intimité, qui a besoin, puis tout d'un coup, c'est l'artiste qui est un monstre, qui peut avoir toutes les filles de la Terre qui sont là. Donc, ça dépend de l'artiste, quand même. Oui, c'est ça. Mais on va dire qu'un artiste, il est quoi ? Il a sa fanbase, il a sa séduction. Oui. Et très souvent, les managers, sa fanbase, c'est-à-dire sa base de fans. Ah, c'est ça. Mais il avait envie d'être et très souvent, les managers, quand un artiste est clos, assez jeune, disent surtout quand tu as un fiancé ou une fiancée, tu le caches, les fans, ils vont être trop déçus. Donc, c'est vraiment cette règle qui est là, sauf quand on ne peut plus. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On organise. Premier couple chantant chez nous, en France, on est dans les années 73, c'est Stone et Chardin. Ah bah voilà. Chez nous, c'est...
vie, couple à la scène. Couple à la ville, couple à la scène. À la base, Eric, il a pas trop envie de ce couple-là. Ils le font une fois comme ça, presque par dépit. Sauf que les gens adhèrent tellement que ça va être leur troisième duo. Deuxième, du coup, dans la foulée. Alors là, un petit peu produit par le démiurge qui s'appelle Claude Carrère, c'est chez la Eringo. On est si bien. Et oui, pareil. Alors c'est vrai qu'ils sont, super beaux. Ils se marient la veille de la Saint-Valentin et ce 45 tours sort le jour de la Saint-Valentin. Comme quoi, il y a un moment où tout ça, ça doit s'organiser. Du coup, un autre couple mythique dit « Bon, ben, nous, on ne va pas en rester là. » Et ben, c'est Johnny et Sylvie. Dis-moi pourquoi. Ouais. Dis-moi pourquoi tu es mon seul souci. On récolte la vie que l'on sème. Mais quand vient l'amour, on est un peu surpris à toi. Elle est géniale, cette chanson. Elle est classe, cette chanson. Alors, c'est un bon souffle. Tout ça, ça se passe à quelques mois d'intervalle. Hein. On est dans la même année 1973. Il y a un truc sympa, on peut en parler maintenant puisqu'on l'a évoqué lors de la disparition de Johnny. Un jour, Sylvie est pas là, Johnny rentre avec une fan. Ah. Ils sont dans la chambre, dans le noir. Tout d'un coup, la lumière s'allume. Sylvie est rentrée plus tôt que prévu. Et elle regarde la fille, elle fait « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et là, Johnny, génial, il regarde la fille, il fait « Mais c'est vrai, qu'est-ce que vous faites là ?» C'est ça, la notion de fanbase, c'est ça. Allez, dernier couple, la chanson est super célèbre, si je vous dis un grand acteur et puis une grande chanteuse dans les années 73 qui vont faire une chanson justement sur l'ambiguïté parce du qu'on ne sait pas homme-femme. S'il y a eu vraiment couple ou pas couple. Là. Ben non seulement il y a eu vraiment couple, mais je sais plus... de quelle chanson il parle. Ah bah oui, parce que nous on est dans le. Quand tu racontes des histoires, quand tu racontes. Qu'est-ce que tu dis quand tu racontes des choses et des choses. Tino Rossi et Dorothée. Non. Quand la femme ne croit pas. Dalida et Alain Delon. Voilà, parole encore. Ah oui. Parole. C'est la même année. 73. Incroyable. Sauf que ce qu'on ne sait pas... Depuis 73, ces quatre chansons, elles sont bien collées. Hein. Exactement. C'est que ces deux-là, en fait, se connaissaient et ont vécu une vraie histoire d'amour. C'est pas vrai. À la fin des années 50. Ils étaient complètement inconnus. Ils étaient tous les deux inconnus. Ils étaient dans un hôtel qui s'appelle l'Hôtel Mermoz. Ils démarraient tous les deux. Dalida, elle avait juste... Elle était Miss Égypte 1953. Et lui, il cherchait à s'en sortir. 10 ans plus tard, ça va être des stars formidables. Ce qui fait que leurs retrouvailles sont quelque part... naturel et ils ont beaucoup de plaisir à faire cette chanson qui leur a rappelé des si bons souvenirs. Merci André. Ah, c'est bien. Et merci surtout à Marie-Claire et Joël. Merci de nous avoir confié votre histoire. Merci infiniment. Merci Paola. Allez, vous le savez, tous les après-midi, on n'est pas là pour vous raconter des paroles et des paroles. On est là pour répondre à toutes vos questions. Et aujourd'hui, c'est Clémentine qui est parmi nous. Bonjour Clémentine. Bonjour Clémentine, bienvenue, je vous donne le micro. Merci. Vous avez une question pour l'équipe. Oui, depuis 3 ans, je suis aide-soignante de nuit. J'aimerais avoir des conseils pour rencontrer quelqu'un et savoir si mon métier est compatible avec une vie de couple. Alors déjà, moi je voudrais vous féliciter parce que vous faites un métier indispensable, formidable et qui a besoin d'être valorisé en France. Donc merci infiniment pour tout ce que vous faites. Et à côté de ça... Comment on fait pour rencontrer du monde? Comment on fait pour... Bah oui, parce que la nuit, tout le monde dort. Aïe, aïe, aïe. Voilà. C'est compliqué. En tout cas, mais peut-être que vous n'êtes pas seul. Peut-être déjà que vous avez aussi un voisinage, des infirmiers, des médecins à vos côtés. Donc, ça n'exclut pas. Ça, c'était pendant les heures de travail, ce qui a... Est mal. Mais quand même l'amour à l'hôpital, jamais. Oui, mais pas pendant les heures de travail. Non. Oh, dis donc, on va trouver la cuisine de cœur. Maintenant, j'imagine que vous avez malgré tout, comment dire, des jours ou des nuits
de congé. Vous ne travaillez pas 7 sur 7, 7 nuits sur 7. Donc il y a quand même des jours où vous pouvez sortir, des soirées où vous pouvez vous organiser pour faire ce que font toutes les personnes jeunes de votre âge, c'est-à-dire aller au restaurant, aller au cinéma, aller en boîte de nuit, hein, pourquoi pas. Et puis, j'imagine aussi que vous ne dormez pas toute la journée. Donc ça peut être l'occasion, je ne sais pas moi, de vous livrer à des activités qui vous permettent de rencontrer des gens de votre âge. Maintenant, la question, c'est quand vous allez avoir une vie de famille, eh bien certainement que oui, vous serez amené à changer d'emploi du temps. Oui, parce que c'est ça qui vous inquiète aussi. C'est si vous démarrez une relation alors que vous travaillez la nuit, que vous êtes en horaire décalé avec le conjoint ou la conjointe. Bah oui, vous allez avoir certainement peut-être moins de nuits, partager davantage. Bon, tout le monde procède à ces réaménagements. C'est vrai que quand on est célibataire, on en profite et effectivement, on travaille la nuit. Mais c'est à la minute où vous allez rencontrer quelqu'un, vous ne ferez peut-être pas toutes les nuits non plus, seulement 3 par semaine, de façon à en avoir 4 avec votre amoureux. Et peut-être 3 nuits par semaine, on connaît. Mais est-ce que vous êtes sorti avec quelqu'un qui vous a reproché votre boulot ? Non, pas du tout. Mais je sais que maintenant, mes amis, certains m'ont déjà dit que ça pouvait faire fuir, entre guillemets, les garçons, le fait que je travaille la nuit. Alors peut-être qu'on peut demander au docteur, qui est régulièrement de garde aussi. Moi, je fais beaucoup de garde aussi. Et c'est une respiration dans le couple, parce que ça permet... Alors, c'est l'inverse de ce qu'on vient de voir avec un couple fusionnel, qui sont 24 heures sur 24, sans pause, sans respiration. Le fait d'être de garde ou de travailler la nuit, ça permet, de temps en temps, d'avoir une nuit où on n'est pas dans le même lit que son conjoint. Et donc, du coup, on appréciera d'autant plus la nuit ou les nuits qu'on va passer avec son conjoint. Donc, c'est une espèce de pause, de respiration. Vous avez pas fait de réaménagement quand vous vous êtes mis en couple alors que vous étiez aux urgences la nuit? Non, il a demandé à faire toutes les nuits. Non, mais bon. Vous a pas demandé Non. Mais il y a même un... Il y a même un certain... Tout le monde y trouve son intérêt. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. J'espère qu'elle trouve son intérêt pour des raisons de respiration seule. Et je ne parle pas de choses qui pourraient remplir la vie autrement. Mais en tout cas, on y trouve une vraie satisfaction. Il y a plein de professions comme ça. Il y a nos professions à l'hôpital, bien sûr. Les pilotes aussi qui partent, ou les hôtesses de l'air qui vont partir en voyage. C'est peut-être aussi un secret de longévité. Pour les retrouvailles, quoi, c'est ça? Il a l'air épanoui. Pour les retrouvailles et pour éviter d'être sans arrêt l'un sur l'autre. Bon, en tout cas, j'espère que vous trouverez, tout simplement, que vous serez heureuse. Surtout, il acceptera celui qui vous aime. Et je suis sûre que, voilà. S'il vous aime, il va accepter. Oui. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir nous rendre visite si vous avez des questions ou encore à nous envoyer, tout simplement, du courrier. On en reçoit très régulièrement. Ils sont souvent adressés à votre bonne amie, Caroline Diamant, qui est sur ce plateau. C'est vrai qu'elle a toujours des conseils bien tranchés, bien sentis. Eh bien, on va ouvrir le courrier du cœur de Mademoiselle Caroline D. Alors, je lis, nous avons reçu une lettre de Benjamin. Il a 39 ans et il vous dit « Ma femme me demande de lui dire des trucs cochons pendant qu'on fait l'amour. » Ben oui. Pardon. Ce n'est pas trop... Ben oui. Je comprends, je suis très verbale. Alors tout le monde s'y met, vous voyez. Bon, ce n'est pas trop mon style et je ne sais pas trop quoi dire. Et du coup, je me sens mal à l'aise. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne veux pas avoir l'air coincée. Bon, déjà, c'est trop mignon d'en parler, Benjamin. Et une réponse de Caroline Diamant. Alors, Benjamin, normalement, c'est le courrier du cœur, pas le courrier de la lettre qui rapporte 8 points au Scrabble. Néanmoins, ça concerne l'amour, puisque c'est avec votre chère et tendre femme. Alors, c'est vrai, quand c'est pas dans sa nature de dire des choses un peu cochonnes, ça vient pas comme ça. Alors, faut partir, à mon avis, de très, très basique. Vilaine. Non. Vous prenez sur vous et vous dites soit ce que vous aimeriez qu'elle vous fasse, soit ce que vous aimeriez lui faire, et vous raconter à voix haute. Et c'est déjà un bon départ. Ça peut chauffer. C'est pas mal. Et puis après, on laisse l'imagination prendre place. Pas la peine de passer à des trucs. Quand elle vous dit qu'elle veut vous entendre dire des trucs cochons, c'est pas forcément de lui claquer la fesse en l'insultant. C'est aussi de... Voilà, parce qu'il y a aussi beaucoup d'érotisme et beaucoup d'excitation à tirer de la voix qui susurre dans l'oreille. Voilà, tout simplement. J'ajouterais, parce que c'est pas facile. Alors évidemment, notre linguiste préféré prend la parole, comme par hasard. Je dois l'avouer, en amour, je suis très verbale.
Donc, j'ai pu avoir ce genre d'exigence. Et avec certains hommes qui ne sont pas habitués, c'est pas facile de mettre la machine en route. Et dire ce qu'on a envie qu'on nous fasse, oui, ou ce qu'on aimerait faire à l'autre, c'est pas évident non, du c'est tout. Pas facile. Donc, mais il faut qu'il démarre avec quoi ? Eh bien, je dirais, ne serait-ce que dire un tout petit peu ce qu'on ressent ponctuellement. C'est bon, ça me... Non, mais je ne vais pas vous le faire, là, c'est gênant. Ah oui. Mais Non, c'est l'heure, hein, 15h. Non, mais il y aura une liste sur France TV. Non, mais dire des petites choses dire. Très courtes et peu au début. Comme ça, on tente, quoi. On essaie un petit peu et on voit ce que ça donne. Mais... Caroline Veil. Bah, c'est très souvent difficile de nommer crûment les choses. Et les hommes, comme les femmes, répugnent à ça. Alors oui, non, c'est vrai que c'est compliqué de donner des exemples, mais moi je pensais pas quand j'ai dit ce qu'il voudrait lui faire ou ce qu'il voudrait qu'elle lui fasse, je pensais pas forcément à la. Il y a des jolies métaphores. Oui. On n'est pas obligé, même quand on parle de ce qu'on a envie de faire à l'autre ou ce que l'autre a envie de vous faire, on n'est pas obligé d'utiliser un langage très cru. Faites travailler votre imagination. Oui, mais oui. En tout cas, il y a des bonnes pistes autour de cette table. Hein, voilà, dire ce que l'on ressent et éventuellement lui dire ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Il y a une très jolie chanson de Colette Renard qui utilise quantité de métaphores pour expliquer certaines caresses agréables aux femmes. Ça s'appelle « Les nuits d'une demoiselle ». Je vous invite à l'écouter, c'est une très belle chanson. Eh bien voilà, merci beaucoup. En parlant de chansons, en parlant de musique, nous recevons un certain nombre de questions. Et là, c'est une question qui vous est dédiée, André. Nous avons Steven qui a 21 ans et qui dit « J'aimerais déclarer ma flamme en chanson. Vos idées sont les bienvenues, merci ». Alors allons-y, oh là là, au boulot. Steven, il y a une chanson qui est incontournable. Vous avez 21 ans, vous risquez de ne pas la connaître, mais ça fait du bien d'aller chercher un petit peu dans la mythologie des super lovers. Ce gars-là, il chantait tellement bien qu'on l'appelait The Voice. Il a un passé un peu sulfureux, il était un peu truand aussi, mm-hmm, sur les bords. Évidemment, vous le reconnaissez. Il est évoqué dans Le Parrain. Donc c'est un personnage qui est super viril, qui est italien et qui a une voix tellement géniale qu'on l'appelle The Voice. Et qu'est-ce qu'il chante ? Une chanson de Cole Porter, « I've got you under my skin ». Ça veut dire « Je t'ai dans la peau », mais avec la plus sensuelle des voix. Frank Sinatra. « I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're pas mal pour déclarer sa flamme. Mais ouais, puis c'est classe quoi de revenir. Crooner, total. Avec un peu de chance, elle la connaît pas. Ils vont découvrir un beau truc. Le pendant français de ça, eh ben c'est quoi ? C'est jeté dans la peau et c'est chanté par Edith Piaf. Ah oui aussi. Ça swing moins, ça swing. Ouais. Mais c'est du coup un peu tragique. Je la connais moins, cette chanson. Obstinément, tu es là. J'ai beau chercher à m'en défaire. Tu es toujours près de moi. Voilà. Toi, tu serais sensible. Donc ça, c'est vos deux propositions. Oui. D'accord. D'ailleurs, c'est une bonne solution. Elles sont un peu old school. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais c'est bien aussi, quelquefois, d'être un peu old school, André Manoukian. Mais on a des retours comme ça, cycliques. Hein. Oui, oui. Ah, il y a un retour qui est cyclique aussi, c'est cette sonnerie de porte. Alors, qu'est-ce qui sonne à ma porte ? C'est un chiffre, il me semble. C'est le chiffre 13. Un chiffre qui vous fait peur, mais non. 13% des Français seraient hypochondriaques. En parfaite santé, mais au moindre symptôme, il se pense atteint d'une maladie grave. Alors ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous. Allons ensemble au cœur du sujet de l'hypochondrie avec Isabelle Siriani. Hypochondriaque, à ce qu'on dit, je fais de tout une maladie. Il ou elle a toujours mal quelque part. Au mot gastro, il ou elle prend la fuite. Un trou de mémoire, c'est Alzheimer. Le gel hydroalcoolique est son meilleur ami. Il fait le bonheur des médecins. Votre conjoint est hypochondriaque, obsédé par sa santé. J'ai un peu mal à la tête. Tu crois que j'ai une tumeur ? Ah, ça va, arrête avec tes tumeurs. Excessif, votre partenaire est souvent incompris et moqué, comme dans le malade imaginaire de Molière. Mais l'hypochondrie n'est pas une pathologie rare. 13% des Français seraient hypochondriaques. Je suis malade. Le
terme hypochondrie a été inventé par le père de la médecine, Hippocrate. Les patients avaient des douleurs dans les hypochondres, des zones situées sous les côtes et donc inaccessibles à la palpation. À l'époque, les médecins parlaient de mélancolie hypochondriaque, un mal imaginaire. Pourtant, la douleur physique était bien réelle. Et ça fait mal, je peux vous le dire. L'hypochondrie se développe souvent chez des adultes très entourés dans l'enfance sur le plan médical. La maladie, qualifiée de narcissique par les spécialistes, serait dangereuse pour la vie de couple. Obsédé par ses symptômes imaginaires, l'hypochondriaque peut instrumentaliser son conjoint. Même quand ce dernier a 42 fièvres, c'est encore l'hypochondriaque qui est au plus mal. Attends, t'as bu dans mon verre là ? Mais alors que faire quand on a un conjoint hypochondriaque ? Même devant un bilan médical poussé et rassurant, il ventile. Bon, il m'a dit que j'avais rien, je vais quand même demander un deuxième avis. Alors, comment vivre avec un hypochondriaque ? Alors, avant de répondre à cette question, comment vivre avec un hypochondriaque, est-ce qu'il y a des hypochondriaques déjà dans cette salle ? S'il vous plaît, levez la main, ça n'est pas grave. Il y en a. Mais oui, mais c'est bien, il faut en parler. Et autour de cette table ? Moi, je l'ai été hypochondriaque parce que c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'étudiant en médecine. Parce que quand on fait nos études de médecine, on découvre plein de maladies, plein de symptômes. Et chez les garçons en particulier, et moi, ça a été mon cas, j'étais persuadé d'avoir un cancer des testicules. Donc, on passe notre temps à se palper un peu, on trouve un petit truc un peu bizarre. Et on se dit, zut, j'ai effectivement ce que j'ai vu dans mes cours. Et bon, on se rassure rapidement, c'était juste un petit varicocèle. C'est une petite dilatation, c'est rien. Moi, je suis hypochondriaque le premier trimestre de l'année. Ah, il nous a dit ce qu'il avait. Varicocèle, c'est, on appelle ça aussi un petit c'est paquet ça, de nouilles, parce que ça a la consistance des paquets de nouilles. C'est une toute honnêteté. C'est horrible. Moi, je suis hypochondriaque le premier trimestre de l'année. C'est le climat ? Pourquoi ? Je ne sais pas, je stresse, je me dis que je vais choper au début de l'année toutes les maladies bizarres, donc je fais plein d'examens. Donc vous avez des périodes, quoi. Voilà, rendez-vous partout. Non, mais vivre en couple, ou même travailler, être proche en tout cas d'un hypochondriaque, c'est compliqué quand même. Ah bah oui, ça c'est sûr que forcément la patience peut s'émousser. Et surtout, ce qu'il ne faut pas, c'est rentrer dans le jeu, rentrer dans le délire de l'autre, ah oui, bon, en lui chercher le thermomètre. Mais par contre, tenir compte de son angoisse. Bon, voilà. Comment est-ce qu'on devient un malade imaginaire ? On peut dire ça comme ça d'ailleurs. Est-ce que c'est une forme de narcissisme ? On vient de l'entendre dans ce sujet. Je crois pas. Non. Je dirais pas ça. Je dirais pas ça. D'abord, ça peut être le résultat d'une éducation. Si vous avez des parents très anxiogènes, attention, ne sors pas sans ta cagoule, tu vas attraper la mort. On dit que les parents peuvent créer les frileux à force de dire, ouais, oh là là, couvre-toi. Bah oui. Couvre-toi, oui, voilà. Non, mais tu vas attraper la mort, si ce sont autant de termes qui peuvent tu marquer, voilà, et qui peuvent choquer pendant l'enfance. Ne va pas voyager par là, il y a des virus, des maladies, ouais, on ne sait pas ce que c'est, c'est-à-dire qu'il vous crée l'angoisse. Voilà. On est affolé dès qu'on prend l'avion. Alors, narcissique, oui, parce qu'on peut se dire je suis nul, je suis pas intelligent, pas beau, pas belle, et donc je ne mérite pas de vivre. Et à ce moment-là, oui, ça serait plutôt du type narcissique, parce qu'il faut bien voir que l'hypochondrie, c'est surtout une conduite autopunitive. C'est-à-dire ? Je m'explique. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que la maladie ? La maladie, et généralement quand on est hypochondriaque, on pense qu'on est atteint d'une maladie, oui, incurable. Donc la maladie, si vous voulez, d'une certaine manière, elle représente le châtiment, la punition, le châtiment suprême qui vous est infligé pour des actes ou des pensées que vous avez qui sont répréhensibles. Et c'est pendant des siècles, c'était ça. On pensait que les dieux nous punissaient quand on était malade ou que... Non, c'est vrai que c'est historiquement, c'est vrai. Ça se tenait mal. Oui. Voilà. Donc, si vous voulez, à l'origine, de quoi s'agit-il ? D'une formidable culpabilité qui va générer une culpabilité inconsciente, mais qui va générer une angoisse. Et cette angoisse, elle va se porter sur un organe, l'organe qui attaque le corps, parce que c'est ça, au fond, c'est le corps qui est un sujet d'angoisse, c'est pas pour rien. Si dans la paranoïa, la maladie, le premier symptôme de la paranoïa, c'est l'hypochondrie. Donc, si vous voulez, la maladie, là, elle représente la juste punition, le châtiment qui vous tombe dessus parce que vous avez soit mal agi, soit mal pensé. Et je vais vous donner un exemple qui, pour vous faire comprendre tout ça, qui est très, très parlant. Moi, j'ai 5 patients, on va dire, avec des études, en tout cas, bon, je veux dire, une élaboration. Ils savent penser. Les 5,
ont eu une histoire, une aventure d'un soir, c'est-à-dire quelque chose de très ponctuel. Oui. Alors, je ne les ai pas eues au même moment, hein, oui. On est bien d'accord. Les cinq ont été, dans la semaine, dans les mois, et je peux même dire dans les années qui suivent, faire des tests à répétition pour être sûrs de n'avoir contracté aucune maladie, persuadés qu'ils étaient évidemment d'avoir eu la maladie, et ça s'est perpétué. Et le laboratoire avait beau leur mettre sous le nez des résultats négatifs, ils continuaient de penser que le labo s'était trompé. Et c'est ça la frontière entre « je suis un peu inquiet pour ma santé, c'est normal, je vais consulter mon médecin, je fais des tests », et l'hypochondriaque qui « je vais consulter mon médecin, je fais des tests », mais même si mon médecin me dit « vous n'avez rien », même si les tests sont négatifs, je continue à penser que c'est le médecin qui se trompe, le labo qui se trompe, et que j'ai la maladie. Et c'est ça la limite finalement entre s'inquiéter un peu de manière normale pour sa santé et être hypochondriaque. Alors, est-ce qu'on a tous un hypochondriaque qui sommeille en nous ? Nous sommes tout simplement allés vous poser la question. Il m'arrivait beaucoup de fois de regarder sur Internet les symptômes que je pouvais avoir, ce qui a conduit à la catastrophe. Donc, à m'inquiéter, à aller voir beaucoup trop de fois le médecin à mon goût. Lors de symptômes, et qu'on me fait des analyses et qu'on ne me trouve rien, je suis un petit peu têtu, je me crois quand même malade. Non, nous ne sommes pas du tout hypochondriaques. C'est dur à dire. On a un ami qui, lui, a vraiment tous les symptômes. Il ne se déplace jamais sans une valise de médicaments. Et quand on visite un site, il fait en général toutes les pharmacies. C'est dur à prononcer ce mot-là. Non, je ne suis pas hypochondriaque. Autour de moi, les jeunes, ils ont tendance à se plaindre souvent. Dès qu'ils ont une petite chose... Mais ça, c'est parce qu'ils veulent qu'on s'occupe d'eux, qu'on les aime. Je trouve que parfois, les hommes sont plus hypochondriaques que les femmes, ou quand ils souffrent beaucoup plus. Oui, j'ai tendance à m'inquiéter pour ma santé 40 fois par jour. J'essaie de ne pas aller trop souvent chez le médecin, mais c'est vrai qu'au premier symptôme, je me précipite sur les sites et je me fais des frayeurs. Bon, il se dit beaucoup de choses différentes, mais est-ce que les hommes sont plus hypochondriaques que les femmes ? Alors, quelqu'un a une réponse ? J'ai une réponse historique. Pendant très très longtemps, on a pensé que l'hypochondrie était le versant masculin de l'hystérie. En fait, on avait ces deux termes-là qui désignaient des pathologies ou des névroses appliquées aux deux sexes différents. Et il se trouve que Hippocrate a créé ce mot hypochondriaque et a créé le mot hystérique. Alors, est-ce que ce sont des maladies imaginaires ? On peut se poser la question l'une pour l'autre. Mais en effet, on a pensé comme ça pendant très longtemps. L'hypochondrie, elle résultait surtout, on pensait à l'époque d'Hippocrate, d'un trouble de l'humeur noire. Oui, de la bile. Ouais. Est-ce qu'aux urgences, Gérald, vous recevez beaucoup d'hypochondriaques ? Est-ce que c'est hyper compliqué à rassurer ? C'est notre boulot, non seulement de les rassurer, mais de faire la différence entre la personne qui est hypochondriaque et qui a un symptôme, finalement, avec tous les examens qui sont normaux, il n'a rien, et la personne qui a le même symptôme, mais qui va avoir un infarctus ou autre chose. Et donc, c'est un peu le boulot du médecin de faire le tri entre l'hypochondriaque, surtout sur des symptômes qui sont déclaratifs. C'est-à-dire, quand la personne vous dit « j'ai mal à la poitrine », et on a une patiente qui est très connue dans tous les services d'urgence de la région parisienne, qui consulte, mais ça fait des centaines de fois qu'elle consulte, sauf qu'elle arrive toujours à tomber sur le jeune médecin qui ne la connaît pas, etc. qui a tous les symptômes, elle décrit, c'est un peu tous les mots-clés, c'est un peu, vous ouvrez le bouquin de médecine sur la dissection de l'aorte, vous savez, c'est un gros vaisseau qui se dissèque, il y a une douleur thoracique, ça fait mal dans le dos, elle a eu des antécédents cardiovasculaires et elle donne tous ces mots-clés à l'arrivée aux urgences. Alors vous imaginez bien qu'avec un jeune médecin qui ne la connaît pas, il va se dire, voilà, elle a cette dissection aortique. Ça va même plus loin que l'hypochondrie. C'est-à-dire qu'elle simule les symptômes. Oui, mais là, voilà. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Münchhausen. Mais c'est la frontière entre l'hypochondrie et ce fameux symptôme. Mais on a beaucoup de patients qui sont hypochondriaques, qui sont simplement inquiets ou qui sont cyberchondriaques. Ah oui. Et ça, c'est un nouveau concept. C'est quoi ? On l'a vu dans le sujet, les gens qui disent « je regarde sur Internet ». Bah, la oui. cyberchondrie, c'est la contraction entre hypochondrie et cybernétique, c'est-à-dire entre Internet et l'hypochondrie. C'est globalement « j'ai mal à la tête, je suis persuadé d'avoir un cancer du cerveau, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais taper sur Internet. Cancer du cerveau, mal de tête, et forcément dans mes moteurs de recherche, ça va sortir en premier, parce que vous avez tapé les deux mots-clés qui vont bien. C'est de se créer quasiment les symptômes, et après vous allez dérouler cancer du cerveau, et vous allez vous créer vos propres symptômes en
en étant persuadé dans ce cercle vicieux que vous avez vraiment cette maladie-là. Ouais. Donc sur les forums, tu lis tout ce qu'il y a sur les forums. Il y en a qui lisent les forums de santé. Vous, jamais. Ça va pas. C'est un des premiers mots-clés qui est tapé au niveau mondial dans les moteurs de recherche. Ce sont des mots-clés de santé. C'est vraiment un nouveau phénomène. Et donc, vous allez vous créer ces symptômes-là. Et on a les patients qui arrivent avec la feuille en disant, docteur, je suis persuadé d'avoir. Ils nous ont mais imprimé. Mais comment vous faites alors? Ils nous ont imprimé les symptômes. Alors, ça impose d'abord de vérifier toujours, et même ma patiente qui consulte des centaines de fois, il faut l'examiner, il faut faire un certain nombre d'examens complémentaires pour être sûr, parce qu'à force de crier au loup, vous savez quand le loup arrive, il faut toujours se méfier. Donc, il faut quand même faire un minimum de choses. Deuxièmement, ça nécessite pour nous d'être encore plus pédagogue, d'être encore plus dans une relation de confiance, dans une relation d'explication, et on sait que l'information, c'est capital en médecine, mais d'aller expliquer pour essayer de rassurer, à condition que tout ça soit rationnel, parce que si on est dans quelque chose qui devient vraiment de l'hypocondrie, et là c'est une prise en charge de l'ordre, on passe la main à Caroline Veil par exemple, ou à des psychiatres ou à des psychothérapeutes, de façon à ce qu'on ne se laisse pas embarquer dans ces histoires-là, parce qu'on voit bien que c'est sans fin. C'est-à-dire que la personne qui est vraiment hypocondriaque, elle est non rassurable, ou en tout cas pas par une consultation médicale. Aurore, oui, j'avais envie de faire un petit cadeau à ceux qui ont mal, qui souffrent. Vous offrir une palette de vocabulaire sans me moquer. Hein. Je respecte beaucoup la souffrance, je ne dis pas que ça n'existe pas. Oui. Mais en langue française, on a plein de possibilités pour dire qu'on a mal ou qu'on ne va pas bien. Donc je vais commencer par une gamme un peu chic. Je souffre est assez chic en réalité. Hein. Dire je souffre, ce n'est pas si courant. Avec la main comme ça. Voilà, je souffre, je suis anéantie, je chancelle. Et il y a deux mots que j'aime bien, valétudinaire et aigrotant. Alors, le valétudinaire a une santé délicate, il est souvent malade. Quant à l'aigrotant, qui est un mot assez laid, il faut l'avouer. Ouais, c'est amusant. Pourtant, il est littéraire et rare, donc c'est censé être un mot vraiment un peu chic. Ça désigne un malade permanent, quelqu'un qui est tout le temps dans un état maladif. Aigrotant. Je suis aigrotant, c'est un homme aigrotant, c'est une femme aigrotante. Ça, c'était dans la gamme chic. Dans un truc un petit peu plus relâché, on a le classique patraque. Et ça va vous intéresser, Gérald. Figurez-vous qu'au 19e siècle, peut-être étiez-vous déjà médecin dans une vie antérieure, vous avez bien fait de préciser. On parlait de patraquerie. Les médecins utilisaient ce mot pour désigner un mauvais état de santé chronique. Et vraiment, c'était un mot technique. Hein. Aujourd'hui, je suis patraque, c'est pas tellement médical. Non, ouais. Mais ça l'était au 19e. Et dans un style beaucoup plus relâché aujourd'hui. Attention, le langage de la rue, comme on dit. Je suis dans le mal. Alors, dans le mal. Hein. Mm-hmm. Je suis dans le dur. Je suis aussi au bout de ma vie. J'enchis ma race. Ah oui, la grossesse est finale. Aussi. Mais bien sûr, nous ne le recommandons pas. Les jeunes disent beaucoup, je suis au bout de ma vie. Oui. Mais pas forcément quand ils ont des symptômes, quand ils sont malades. Non, une espèce de lassitude ou une contrariété. Ils sont en train de réviser les partiels, je suis au bout de ma vie. Et puis, il y a des grands hommes de l'histoire qui étaient au bout de leur vie très régulièrement, des hypochondriaques. Émile Zola, par exemple, qui était hypochondriaque, Voltaire, encore Jean-Jacques Rousseau, était hypochondriaque, et ça continue chez les chanteurs, beaucoup plus récemment. Mika, par exemple, il est toujours en train de chanter la bonne humeur, il est déchaîné sur scène, mais derrière, il est hypochondriaque, extrêmement inquiet. Michel Blanc, ça, il en parle souvent. Ouais. Très grand hypochondriaque. Les gens de télé aussi sont très hypochondriaques. Quel est le Michel Drucker, qui, je vous rappelle, habite à côté d'un hôpital pour être sûr qu'à tout moment, il puisse aller se faire soigner. Mais vous remarquez qu'on a trouvé que des hommes, donc hyper contrés. Les hommes sont en fait hypochondriaques, on a trouvé surtout des hommes. Ils sont quand même moins habitués à la douleur que nous aussi. Ça dérange peut-être. Je ne sais pas si ça veut dire. Les hommes ne se sentent pas plus coupables? On y revient. On y retourne. Le vrai problème, c'est qu'on risque de se créer des symptômes. C'est-à-dire que l'esprit et le fait de se sentir malade ou de lire des choses créent des symptômes et le corps réagit. Et par exemple, tout ce qui est troubles fonctionnels intestinaux, il y a plein de choses où au début, on n'a pas mal. Et puis finalement, on va avoir des douleurs abdominales, on va avoir des troubles du transit. C'est-à-dire que l'esprit, la peur, l'anxiété va créer ces symptômes. C'est pour ça que les sites, c'est super dangereux parce que tu vas nourrir ta phobie.
Mais à chaque fois. Moi, je me suis rendu compte que quand je lisais les effets secondaires d'un médicament qu'on me donnait, je les avais tous. Mais oui. Et ça s'appelle. On a quand même oublié. Ça s'appelle l'effet nocebo, qui est l'inverse de l'effet placebo. L'effet placebo, c'est que je donne un médicament qui n'existe pas et ça va me guérir. L'effet nocebo, c'est que j'ai tous les effets secondaires. On a quand même un dernier conseil quand on vit avec un hypochondriaque. Donc, on ne rentre pas dans son système. Ah non, il ne faut surtout pas rentrer dans son délire. Il ne faut pas l'alimenter. Mais par contre, il faut lui faire prendre conscience de la nature de son angoisse. C'est-à-dire qu'il a peur non pas de la maladie, mais de la punition. Qu'est-ce qui se passe, André ? Racontez-nous. Vous vouliez intervenir. Vous avez parlé tout à l'heure, Caroline, de l'humeur. L'humeur noire qui crée finalement cet état de santé dépressive. Eh bien, figurez-vous que les romantiques au 19e siècle vont commencer à mettre cet état de maladie au goût du jour et à se complaire un petit peu dedans, à tel point qu'on va inventer un mot, le mot spleen. Ouais. Le mot spleen que les Anglais adorent, c'est les Anglais qui vont l'inventer, que Baudelaire va reprendre. Et spleen, ça vient d'où ? Ça vient, docteur, c'est le mot grec pour désigner la rate. Oui. Parce qu'on croyait que... Voilà, mais non, mais splénectomie, on vous enlève la rate. Voilà, voilà, exactement. Les gens pensaient que vos humeurs venaient de la rate. Et en médecine chinoise, ils pensent toujours. Voilà, donc quand on est triste, on dégage une humeur noire produite par la rate. Quand on est gai, l'humeur est plus jaune, etc. Et donc les romantiques vont se complaire dedans. Alors nous, en musique, on a quoi ? Pour exprimer la joie, et pour exprimer la tristesse, nous avons deux modes. Le mode majeur pour exprimer la joie. Mode majeur, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et puis le mode mineur. Je vais dire la même chose, mais c'est quoi le mode mineur ? C'est cette même gamme avec la tierce diminuée. Alors, je joue ça en majeur. Maintenant, je joue en mineur. Ah ouais, il y a un problème. Mmh. Tu vois, tout de suite. Hein. Ah oui. Là, on est triste. Qu'est-ce qui se passe en Orient ? D'où vient ce mot spleen ? Eh bien, on mélange le majeur et le mineur. Donc, on a la tierce majeure, mais en passant par la seconde diminuée. Vous voyez ? Là, c'est... Ouh là là, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas ? Mais qu'est-ce que ça fait du bien quand ça ne va pas ? Ça va bien, mais... Ouh, là, ça va pas. Mais qu'est-ce que c'est bon quand ça va pas. Une musique de Mazou. Et du coup, ça donne cette fameuse gamme orientale. Une petite danse de ventre. C'est dommage, j'en ai pas. Mais... Et comme ça, on peut s'exprimer. Bravo. Bravo. Bon. Et encore une fois, oh, André. Et alors on peut transformer sa douleur en musique. Bonheur. Et il y a un titre qui pourrait illustrer, par exemple, ce sujet. Donc une grande chanteuse orientale, Dalida, on en parlait tout à l'heure. Bah oui. Complètement malade. Tellement triste cette chanson. Sinon il y a quoi ? J'ai la rate qui se dilate. Oui. Aussi, elle passe aussi très bien. Alors, j'ai trouvé une chanson beaucoup plus gaie. Elle est d'un album de Françoise Hardy, qui est paru en 1981. C'était l'année de son mariage. Et peut-être qu'elle avait envie de se moquer un tout petit peu d'elle. Et cette chanson, elle s'appelle Tamalou. Tamalou, maladie, à quoi tu penses ? Es-tu sous ? Mal de bruit ou de silence ? Mal de sous ? Je n'ai pas. Mal de temps, t'es sans dessus. C'est dans dessous. Très bien. Tamalou. Françoise Hardy. Il date de 81, ce titre. Très bien. Tamalou. Mais il est pas mal. Merci beaucoup, André Manoukian. Allez, on l'a compris, les hypochondriaques ont évidemment la phobie d'avoir un pépin de santé, mais évidemment, ce ne sont pas les seuls. Non, pas du tout. On va faire un petit jeu, je trouve. Oui, c'est ça. André, on vous libère. Je sais que vous avez une urgence. Merci d'avoir été avec nous. Tant pis. Vous avez déjà perdu le jeu. Allez, on y va. En préparant cette chronique, j'ai découvert un tas de phobies, en plus avec des noms bizarres, tout ça. Et effectivement, Daphné, tout cela m'a donné envie de vous préparer un petit jeu. Jingle.
Bienvenue dans le magazine, le seul magazine unique, le magazine de la... Le magazine, pardon, de la phobie. Hein, voilà, bien évidemment. Bon, on va parler santé, on va parler plein de choses. Et surtout, on va jouer tous ensemble. Okay. Alors aujourd'hui, on joue par équipe, d'accord? Mais chacun, votre tour, vous allez venir... Gagner, ils ont le docteur. Oui, vous allez venir tester les besoins. Ah, attention, c'est pas facile. Il y a aussi Aurore, quand même, qui est très bonne en latin et en grec. Donc voilà, on surveille Aurore aussi. Daphné, s'il vous plaît, venez juste ici. Et Caroline Diamant, venez. Allons-y. Donc, on joue par équipe, vous êtes plus nombreuses. Alors juste, s'il vous plaît, vraiment, vous attendez l'énoncé de chaque réponse. Hein, vous aussi dans le public, vous aussi à la maison. De chaque question. De chaque question, voilà, exactement. Et je vous donne toutes les réponses. Daphné, testez votre buzzer. J'ai peur. Oh, et elle a peur. Caroline Diamant, s'il vous plaît. J'ai mal. Ah, allez, c'est parti. S'il vous plaît, concentrez. Qu'est-ce que la rétornagénilucophobie ? Putain. Réponse A. La peur de renifler. Réponse B. La peur d'aller chez le gynécologue. Réponse C. La peur de se retourner le genou. J'ai mal. Peur. C'est la 3. Attendez, c'est Daphné qui a buzz avant. Hein. Non, oui, je suis sûre. Daphné, on vous écoute. C'est la 1, ce serait trop facile sinon. Eh bien non, c'est la réponse C, Caroline Diamant. Bien sûr. Alors, rétornagéniculo. La rétornagéniculophobie. Mais on est d'accord, mais c'est tellement premier degré, ça existe. C'est étymologique, c'est pas premier degré. D'accord. Gérald, on est d'accord, c'est très précis quand même. Il y a des gens qui ont peur de se retourner le genou en marchant ou en courant. Oui, mais notamment quand on a une hyperlaxité ligamentaire, quand on est hyperlaxe, hyper souple. Voilà, okay. Très bien. Bon, ben, un point. Oui, bon, ben, très bien. Deuxième question. Aurore, allez, on y va. Gérald, s'il vous plaît. Allez, on y va. Donc, vous l'avez vu, vous allez peut-être vous reconnaître dans toutes ces phobies. Peut-être qu'il y en a énormément d'autres, mais c'était des noms qui m'amusaient un petit peu. Concentrez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la borbophobie ? Réponse A, la peur des bobos. Réponse B, la peur des garous. On a dit qu'on attendait les énoncés. J'ai pas bossé pour rien, quand même, Gérald. Réponse C, la peur d'avoir une barbe qui se met à pousser. J'ai mal. J'ai peur. C'est les gargouilles. Non, c'est bravo. Les borborygmes. Oui, mais Gérald, il est puni. Gérald est puni parce qu'il a triché. Alors, vous vouliez dire du quoi grec, borbo. Ça s'appelle les borborygmes. Les borborygmes, ce sont les bruits de l'intestin. Eh bien, borbo, c'est ce qui boue. Eh ben voilà, ça boue, c'est chaud, c'est fou. On n'aime pas les gargouillements. Ex aequo. Caroline Diamant, Caroline Veil, s'il vous plaît. On continue parce qu'il en existe des tonnes. Il y en a plein. D'ailleurs, dites-nous, vous, si vous avez des phobies aussi, hein, vous pouvez partager avec nous. Celui-ci est très intéressant et j'ai beaucoup aimé le trouver. Concentrez, mesdemoiselles. Ça triche dans le public. Que... On y va. Pas du tout, il m'encourage. J'ai bien sûr. J'ai team Caro, là. Allez, on y va. Concentrez-vous, mesdemoiselles. Celui-ci est particulièrement pour vous. Qu'est-ce que l'ithyphallophobie. A. La peur que le médecin soit un extraterrestre. Gérald. B. La peur de voir des pénis en érection. C. La peur de se toucher sexe. J'ai peur. La peur de toucher son propre sexe. Non. La première. Non. La peur de voir des pénis en érection. Évidemment. Mais tu ne regardes pas. Eh ben voilà. C'est pas dans mon non mais Daphné. Mais si on est dans la même équipe, Caroline Veil. Non non attendez, on peut les excuser, c'est juste que ça ne les concerne pas. Donc elles n'ont pas trouvé tout de suite. Voilà, donc la peur de voir des pénis en érection. Voilà, ça m'arrive souvent. Non mais on est d'accord que c'est deux équipes là. Allez, Gérald contre Daphné Burki, on les applaudit bien fort. Et on va au dernier. Concentrez s'il vous plaît pour cette dernière phobie pour ce magazine de la phobie. Oui. Aphénophobie. Réponse A. La peur d'être aphone. Réponse B, la peur du toucher. Réponse C, la peur de produire du phosphore. J'ai peur. Bah, la première. Non. Non, la deuxième. Bah, puis. J'ai mal. Bravo, on applaudit le docteur. Alors, les personnes attendent peut-être vous par cette phobie, ont peur du toucher. Donc, qu'on les touche ou qu'ils touchent quelque chose, ils ont peur. Donc, c'est un sens qui détruisent totalement. Ils n'en veulent pas du tout. Ils enlèvent le toucher. Ils n'aiment pas ça. Ceci compliqué. On n'utilise jamais ces mots-là. Eh si, non. Pourtant, ben, dans le magazine de la phobie, oui. Donc bravo à vous. Vous avez tous marqué des points. Et j'espère que vous n'êtes pas concernés. Ah, d'accord, donc on ne sait pas qui a gagné, qui a perdu. Si, j'ai gagné. On sait, en revanche, nous, on a gagné, voilà, on a c'est Caroline Diamant qui a gagné. Moi, je suis la fin de ce nouveau numéro de Je t'aime, etc. On vous laisse. Pourquoi? Moi, je suis alitophobe, j'aime pas la mauvaise haleine. Ah bon? Oui. J'ai une bonne haleine, c'est moi. C'est dégueulasse de dire ça. Non. Mais enfin... Mais tout le monde! C'est pas sympa, mais on a très bonne haleine! Je vous laisse avec Sophie Davant, affaire conclue. Passez une merveilleuse journée, merci de nous avoir suivis aujourd'hui encore. On vous embrasse très fort, bye bye! Depuis les vies au jour.
Je suis américaine et je suis née à Philadelphie.